Bonjour Nordine Boudjelida, vous êtes directeur régional de l'ADEME Rhône-Alpes. Vous avez participé au débat « Comment construire ensemble un territoire industriel durable ?». Alors déjà, peut-être la première question, est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle de l'ADEME ? Alors l'ADEME est un établissement public d'État qui a pour vocation d'aider l'ensemble des acteurs de la société, entreprises, collectivités, grand public, associations, à engager des actions de sobriété, d'efficacité énergétique, développement d'énergie renouvelable et d'économie circulaire. Par rapport au thème qui nous intéressait cet après-midi, comment on peut trouver une cohérence entre une logique en fait, de dynamique territoriale dans un monde qui vraisemblablement est de plus en plus global, de plus en plus international ? Alors que le monde soit globalisé n'est pas neuf. Je crois que la question se pose sur tous les territoires, dans tous les pays. Comment préserver un modèle ? Comment préserver un mieux-être, un développement économique, un développement social, un respect de l'environnement ? Je crois qu'il se fait en restant fidèle à notre histoire. Je crois que notre industrie a envie de produire des produits de qualité et on arrivera à sortir de cette crise qui n'est pas nouvelle que par la qualité, par l'inventivité, la capacité à s'adapter et surtout à s'appuyer sur la force des entreprises, sur l'implication du grand public pour réaliser cette transition énergétique et écologique dans notre pays. Merci beaucoup, Monsieur Boudjelida. Merci.